the 35-year-old president of Burkina Faso, Ibrahim Traoré, has ignited social media with his comments criticizing how, despite its wealth in natural resources, Africa is still so underdeveloped that its leaders must fly to the West to beg for aid. He said this while attending the second Russia-Africa summit, which ended in St. Petersburg, Russia, on July 27 and July 28, 2023. The youngest president of Africa, President Ibrahim Traoré, also emphasized the necessity for African nations to develop new partnerships from now on to provide a better future for their citizens. Captain Ibrahim Traoré of Burkina Faso is one of the most recent military leaders to seize control in a coup in a former French colony in West Africa. He is rumored to have been a quiet but bright youngster in school. To install the Patriotic Movement for Safeguard and Restoration military junta in Burkina Faso in January 2022, Traoré was a member of the group of army commanders that supported the coup. He assumed command of an artillery unit at Kaya, Burkina Faso's fifth largest city, northeast of Ouagadougou, in March 2022. On September 30, 2022, he overthrew his ex-comrade Lieutenant Colonel Paul-Henri Damiba after accusing him of breaching a promise to halt the Islamist strife that has plagued Burkina Faso since 2015. This propelled him into the international spotlight. At the Russia-Africa conference in St. Petersburg, the president of Burkina Faso said, "Russia is family for Africa." He urged African nations to oppose Western imperialism. The slave that cannot carry out its own revolt does not deserve to be pitied. Признательность за то, что вы откликнулись на приглашение и нашли возможность принять участие в работе второго саммита Россия-Африка. Думаю, вы согласитесь со мной. Встреча была полезной, разнообразной. Люди высказывали свои мнения, и эти мнения были разными, но все-таки вся работа проходила в духе дружбы, взаимопонимания, поиска решений по любому вопросу, причем заинтересованного поиска. В ходе саммита были обсуждены различные направления взаимодействия нашей страны с африканским континентом. И сегодняшняя наша встреча позволит сверить часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, наметить планы по их дальнейшему развитию, российско-буркинские связи, дружественный характер, традиционно our relations are friendly. Traditionally, last year we celebrated 55 years since the diplomatic relations were established between our countries. We know that in your country everybody likes Russia, and you are interested in our country. And I heard about that from your short address yesterday. On our part, we also think that it is very important to develop. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'il soit dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant.
Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quel droit de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades.